Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon logement parisien que j'ai utilisé pendant mes 2 ans de prépa. J'ai jamais fait cette vidéo pendant ma prépa, vous me l'avez demandé souvent à plusieurs reprises, et puis là je me suis dit, bon, je quitte le studio, il est temps de vous faire cette vidéo, petite présentation de mon organisation, de mon studio, comment je m'organisais. Et je quitte mon studio pour aller à HEC sur le campus de Julian Josas où je me suis rendu ce matin après une galère de RER et de métro. Enfin, ça m'a pris 2 heures ou 3 heures pour me rendre sur le campus. C'était horrible. Mais au moins, j'ai mon petit logement là-bas. Je suis logé avec tous les autres étudiants. J'ai une question à vous poser. J'aimerais bien que vous participiez en commentaire. C'est comment est-ce que vous avez trouvé votre logement? Par quel site vous êtes passé? Par quelle méthode? Par quel réseau? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour avoir votre logement? Ce studio, je vous le dis tout de suite, je l'ai utilisé, enfin je l'ai trouvé par le biais des associations de parents d'élèves du lycée Henri IV. Ça s'est fait par contact, etc. C'était vraiment une bonne manière de trouver un logement, surtout que sur Paris, c'est difficile en plus. Donc voilà, ce serait bien de partager ça en commentaire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette vidéo va être rapide et on va parler de trois choses. D'abord, le studio en lui-même. Je vais vous faire un petit tour du studio. Puis vous montrer un petit peu comment je m'organisais. Puis deux, on va surtout parler d'organisation, restauration, linge, etc. Des questions qui peuvent être intéressantes pour vous, qui allez, je pense, pour beaucoup, avoir votre premier logement, votre second, enfin je sais pas. Mais j'imagine que vous emménagez dans un nouveau logement pour aller en prépa ou en fac, je sais pas. Et puis je vais vous parler des cours, classeurs, etc. Alors, on commence tout de suite. Surtout, le principal avantage, c'est que je suis pas loin du lycée Henri IV. Alors, ici, vous avez mon lit. Waouh, superbe lit. Ici, vous avez mes affaires pour partir. Attendez. Mes affaires pour partir à Chamonix, séminaire de rentrée. Ici, vous avez petite fenêtre. Et là, alors, là, vous avez un canapé. Petit rangement. Derrière moi, vous avez mon bureau, que je vais vous montrer juste après. Donc, le petit tour. Là, c'est des rangements. Mon tigre, le fameux petit tigre de mes vidéos. Oula, alors ça, je vais vous montrer après. J'essaie de faire ce que je peux. Alors ça, c'est mon bureau, voyez-vous. Absolument tout mon bureau. Bon, je vais rester ici pour le présenter. Là, j'ai mon matériel de tournage. Ici, j'ai accroché des petites fiches au tableau. C'est très sympa. Vous achetez des feuilles et des autocollants et vous les collez comme ça. C'est vraiment sympa pour faire des notes. Là, c'est des fiches de cours de maths, en fait, que j'ai absolument jamais lues, mais je les ai quand même faites. On m'a posé la question sur l'organisation du bureau. Alors, déjà, je vous conseille d'avoir un tableau blanc. C'est très sympa pour noter des formules de maths ou quoi. Chauffage, très utile. Pour ce qui est du bureau précisément, franchement, votre bureau, vous l'organisez un peu comme vous voulez. L'important, c'est que vous ayez de la place. Moi, j'utilisais surtout mon ordi, en fait. Et puis, quand je faisais des maths, je mettais un peu tout de côté. Et je mettais des maths un peu partout, avec endroit exercice, endroit cours. Voilà. Bon, ce bureau finissait par être un peu petit. Et heureusement, j'avais mon bureau auxiliaire qui s'appelle anciennement le canapé, mais qui est un bureau secondaire, en fait. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Franchement, les fiches sur le mur, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À un moment, je faisais, vous voyez, à un moment, je faisais des tas de feuilles où je mettais, par exemple, un tas de feuilles cours de maths, un tas de feuilles exo de maths. J'utilisais ça et c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout de faire des petits tas comme ça. Petite fenêtre. Ici, on a des affaires que je dois déménager dans mon nouveau logement. Alors, ce studio est composé de deux pièces. Donc ça, c'est la chambre. Voilà. Vous voyez entièrement la chambre. Oula, pardon. Vous voyez que ici, j'ai d'autres rangements. Je ne sais pas si je vais les montrer. J'ai d'autres rangements. Ici, j'ai rangé plein de livres et de classeurs. J'ai rangé plein de livres et de classeurs. Donc ça, c'est mes affaires pour partir. Ça, c'est des livres que je dois vendre. Des affaires. Petit endroit de rangement. Franchement, ici, c'était là où je mettais vraiment tous mes classeurs. Là en bas. Maintenant, je les ai tous déménagés à Montpellier, puisqu'ils ne vont plus me servir. C'est mes classeurs de prépa. Donc ici, on est dans l'entrée principale. Vous voyez ça, c'est la porte d'entrée du logement. Entrée principale avec tout, 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 tout. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez la cuisine. Ici, vous avez les endroits pour les vêtements. Et en face de moi, vous avez la porte d'entrée. Ici, petite table pour manger. Hop. En fait, je ne sais pas si cette caméra a un angle suffisamment grand pour que vous voyez bien. Table pour manger.
des fiches de culture générale qui sont actuellement affichées ici. Micro-ondes et tout. Petit aspirateur. Et là, vous avez la porte d'entrée. Voilà la chambre ici. Ici, on a petite table pour manger. Ça, c'est très important d'acheter ça pour votre linge. Et ici, j'ai un dressing qui est tout à fait utile pour toutes mes affaires. Bon, en soi, ce qui est le plus important dans cette pièce, c'est ce qu'on appelle communément la machine à café, qui est très importante quand on est en prépa. Alors, je vous montre un peu la cuisine. J'ai des tiroirs ici. Bon, la cuisine, c'est vraiment le pire de ce petit studio, un petit frigo et tout. Si vous êtes en prépa, la cuisine, ça reste important, c'est pas votre priorité. Mais je vais en parler dans 30 secondes. Je vous montre juste la salle de bain, au passage. Hop. Bon, WC, machine à laver. J'ai la chance d'avoir une vue juste sur l'université qui se trouve juste là. Et puis, ma douche. Yes. Très sympathique petit tour du studio. En fait, ce studio est un peu dur à décrire parce qu'il est tout en longueur. Vous voyez que depuis la salle de bain, je vois ici ma salle à manger et là-bas ma chambre. Donc, en gros, il y a deux pièces, il y a juste enfin, il y a deux ou trois pièces, il y a juste une chambre plus salle à manger avec salle de bain tout au fond. Voilà, j'ai terminé ce petit tour. Si ça vous a plu, bah, je suis content. Laissez un like à cette vidéo. Vous savez où j'ai passé mes 2 ans de prépa. Alors, je vais vous parler de choses pratiques. Au niveau des repas, je vous conseille de cuisiner un petit peu, notamment de cuisiner les week-ends, c'est-à-dire vous faites des plats qui peuvent tenir plusieurs jours. Moi, j'aimais bien faire des lasagnes. Ce que je faisais, c'était que je cuisinais le week-end des lasagnes et je faisais en sorte que ça me tienne au moins 4 portions. 4 portions, ça veut dire la portion du soir, puis 3 jours de plus, 3 jours suivants. Puis des fois, je me chauffais, je faisais un peu plus de lasagne et puis j'en mettais au congélateur et ça me servait de 2 ou 3 portions, souvent 2 portions, je crois, pour les jours où j'avais vraiment pas le temps de me préparer à manger ou quoi. Donc comme quoi, prendre un petit peu de temps le week-end pour cuisiner, c'est pas mal du tout. Je vous conseille de faire ça avec mes deux plaques de cuisson, on va pas aller très loin. Et dites-vous que, ah, je sais, j'ai aucune plaque de cuisson, je vais absolument rien cuisiner. Moi, il y a un restaurant universitaire qui est plutôt bon. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite sur la cuisine? Faites des courses le week-end, vous embêtez pas trop en semaine. Enfin, moi, en semaine, souvent, je passais quand même au Carrefour acheter des trucs si ça me manquait. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus sur la cuisine. Des rangements, tout ça. Non, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Au niveau du linge, organisez-vous bien. Moi, j'ai une machine. Tous les logements n'ont pas de machine. Si vous n'en avez pas, il y a plein de laveries. Ça peut être bien de prendre un livre ou quoi pour aller à la laverie. Au niveau des machines, moi, je m'en occupais en fait que le week-end. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté mes petites fiches de maths que j'ai collées sur ma porte de la salle de bain. Vous avez tout mon cours là. Tout mon cours de maths. C'est effrayant. Quand mes amis viennent ici, ils regardent ça, ils disent: Ah, t'es fou! Voilà, pour le linge, je vous conseille aussi de bien séparer. Mais alors ça, c'est quand même évident. J'ai l'impression de dire des trucs que vous savez déjà. De bien séparer couleur et blanc. Vous faites des tas différents. Enfin, essayez de laver de la même couleur, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah ça, c'est hyper pratique. Achetez-le à IKEA et pas dans les petits magasins parce que ça coûte beaucoup trop cher dans les petits magasins. Au niveau des prix, bah aussi aller à Emmaüs, c'est pas mal pour récupérer plein de couverts, d'assiettes ou de trucs comme ça. Si vous avez un Emmaüs pas très loin de chez vous, allez-y. Ça vous coûtera pas très cher. Aussi, moi, j'utilisais des conserve. Un étudiant qui utilise des pâtes de conserve. Waouh! Non, et beaucoup de pâtes aussi. En fait, j'aimais bien me faire des sauces pâtes et je rajoutais des trucs. J'aimais bien faire des gratins aussi. J'aimais bien faire des gratins.
Après, franchement, faites selon vos goûts. Mais un truc que je vous conseille d'éviter, c'est de commander sur Uber ou des trucs comme ça. Parce que le problème, c'est que si vous ne savez pas cuisiner et que vous commencez à faire ça, bah, vous n'allez jamais arrêter parce que vous ne serez jamais capable de vous dire, bon, là, j'arrête et je commence à cuisiner. En fait, commencez à apprendre à cuisiner. Et quand vous aurez vraiment plus le temps et que vous serez en galère ou je ne sais pas, bah, commandez sur des applications, mais essayez d'éviter, quoi. Enfin, c'est pas le... enfin, je sais pas. Juste. C'est mieux d'apprendre à cuisiner, c'est plus rentable. Voilà. Ensuite, c'est tout pour cette partie. Ah oui, les valises. Moi, mes valises, c'était toujours un peu galère parce que mes parents sont jamais venus ici en voiture et moi, j'habite à Montpellier, vous savez. Mes parents sont jamais venus, donc j'ai dû tout transporter par des valises. Donc, je suis un peu un expert de se déplacer dans Paris avec des valises beaucoup, beaucoup trop lourdes pour prendre le train. Je fais ça tout le temps. Ce que je vous conseille, un truc sympa, c'est d'avoir une valise plus petite que vous pouvez ranger dans la grande valise. Comme ça, vous partez avec deux valises bien remplies, puis vous rentrez avec une seule valise et puis l'autre à l'intérieur. C'est assez pratique à faire. Puis sinon, prenez des grandes valises, prenez-en deux. Pour ce qui est du poids, surchargez pas trop, mais quand même, si vous avez plein de livres à transporter, bah, allez-y. Mettez les choses les plus lourdes au fond de la valise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, tout ce qui est fragile, gardez-le sur vous, prenez un sac à dos pour vous, etc. Voilà. Maintenant, organisation des cours. C'est parti. On arrive sur la dernière. Je vais vous mettre une image juste à côté, celle de ma bibliothèque bien rangée à Montpellier. Cette bibliothèque est composée de plusieurs choses. On a d'abord les grands classeurs. Les grands classeurs, c'est les classeurs où je rangeais tout mon cours de l'année. J'ai deux classeurs jaunes, c'est mes deux classeurs d'économie. Il y en a un de première année, un de deuxième année. J'ai plusieurs gros classeurs de maths qui sont rouges. J'ai deux classeurs de culture générale qui sont en vert. C'est CG première année, CG deuxième année. Voilà, je me suis organisé comme ça. Des gros classeurs et puis des petits classeurs pour prendre mes cours durant mes cours en présentiel avec tous les documents des profs, avec toutes mes fiches, toutes mes notes, les synthèses, enfin, tout ce qu'il faut. Les DS, les DM, etc. Tout était dedans et c'est ça que je prenais avec moi pour aller en cours. En plus de ça, je prenais un petit ordinateur, ordi région offert par la région Occitanie, qui était super bien. Enfin, super bien, pratique. Petit ordi, est-ce que l'ordi c'est bien pour prendre ses cours? Moi, je ne sais pas, je ne recommande pas trop parce qu'il y a beaucoup de distractions quand même avec les ordinateurs. Je vous recommande de tout noter à la main. C'est mieux parce que vous allez apprendre. D'une part, ça permet de mémoriser plus facilement. Parce que le problème avec l'ordinateur, c'est qu'on a tendance à noter sans réfléchir à ce qu'on note, sans même écouter, mais juste en notant mécaniquement. Et ça, c'est très problématique parce que c'est une vraie perte de temps, c'est vraiment céder à la facilité. Et ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider du tout. En plus, un bon point qui vient avec prendre ses cours à la main, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner à la calligraphie. Et ça, c'est un critère de notation qui rentre un petit peu dans la notation du concours. Ensuite, pour l'organisation, j'avais des petits cahiers parfois que j'utilisais pour synthétiser mon cours. Voilà, petite trousse. Ah oui, je ne vous ai pas montré ma trousse. Bon, en gros, dans ma trousse, j'avais un stylo plume. J'aime bien écrire au plume, ça passe bien pour les concours. Un stylo Bic pour surligner, des choses comme ça. Une règle, c'est très important. Un crayon pour faire tous mes exercices de maths. Un taille-crayon, évidemment. Des cartouches d'encre. Un effaceur pour le stylo-plume. Enfin, un ou deux effaceurs, c'est bien. Et qu'est-ce que j'avais de plus? C'est tout, je crois. Bah, toujours une montre. C'est toujours bien d'avoir une montre avec soi. Des lunettes. C'est important d'avoir des lunettes. Moi, je suis devenu myope pendant ma prépa. Il m'a fallu acheter des lunettes parce que j'y voyais plus rien. Donc voilà, faites attention. À vos yeux. Et voilà, c'est tout. Hein. Moi, j'aime bien le stylo plume. Hein. Je vous recommande ça. C'est tout ce que je peux vous présenter. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un What's in my bag? Que je prenne mon sac de prépa et que je vous montre un petit peu ce que je mettais dedans. On pourrait faire ça. Et voilà, c'est tout. Ah si, autre chose que je prenais, c'est des stabilos. Des stabilos pour mes cours, etc. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Mon studio, mon logement.
la cuisine, etc. Si vous avez des questions d'organisation, posez-les dans les commentaires. Et puis j'aimerais beaucoup vous partager dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, le moyen que vous avez utilisé pour trouver votre logement sur, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, un site, des contacts, des amis, un internat, un campus, enfin je ne sais pas. Qu'est-ce que vous utilisez pour trouver votre logement? Est-ce que vous avez emménagé? Est-ce que ça vous plaît déjà ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi tout ça, ça pourrait être intéressant. Si vous avez des questions en particulier sur l'organisation auxquelles je n'ai pas répondu, allez-y en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres contenus. Salut!